Bonjour à vous. Comment reconstruire ses repères en amour? Vous me connaissez, je suis Germain Roncari et j'accompagne toutes les personnes, en tout cas, qui souhaitent vivre l'amour authentique, que vous soyez en couple et que vous recherchiez à le retrouver, ou que vous soyez une personne seule et que vous désiriez vous redonner cet espoir de retrouver l'amour. Et j'ai tout seul. Je forme aussi individuellement tous ceux qui veulent devenir coach professionnel ou psychopraticien, formation possible à distance. Toutes les infos sur mon site germainrocari.com. Alors, c'est vrai que souvent, quand j'accompagne des personnes seules qui souhaitent retrouver l'amour, pour certaines de ces personnes, il y a comme une perte de repère. C'est comme si on réapprenait à rouler sur la route et qu'on n'avait plus de repères, il n'y avait plus de panneaux, on ne savait plus conduire et on était vraiment en aveugle sur les choses les plus essentielles. Et c'est là où j'interviens, en tout cas j'interviens, j'aide la personne vraiment à se reconstruire des repères. Et là, on sort un petit peu de la psychologie, je dirais classique, où on est toujours dans l'explication. Le but, c'est d'accompagner aussi la personne quand elle est dans la réalité, c'est-à-dire des entretiens, des rendez-vous qu'elle a avec une personne. On est vraiment en live au plus près, c'est-à-dire qu'on échange ensemble, on se fait des rendez-vous juste après, ou alors on échange même par mail, par SMS. Voilà, il y a tout un accompagnement que je mets en place en fonction des besoins de la personne, pour répondre aux questions les plus essentielles. Parce que c'est vrai, c'est facile de comprendre quelquefois des choses quand on lit des livres, quand on fait des rendez-vous, quand on reste dans une certaine théorie, c'est facile. Après, quand on se retrouve dans le quotidien, c'est-à-dire face à une personne, pendant un rendez-vous, pendant la naissance d'une relation, là c'est autre chose parce que les émotions sont là et forcément ça va bouger nos repères. Je pense principalement à deux personnes que j'ai accompagnées. Il n'y a pas si longtemps, la première qui était toujours dans la peur d'être envahie, donc elle était un peu dans le contrôle, mais elle voulait, mais il y a toujours un petit peu cette dualité entre la partie qui veut et la partie qui veut pas, et forcément, comme elle était dans le contrôle, elle allait à des rendez-vous, puis elle, inconsciemment, elle mettait toujours de la distance, elle pensait qu'elle avait le temps, elle repoussait les choses, toujours son système de protection qui venait se mettre en place. Et là, ça a été, voilà, nous, un peu l'analyse de ses propres comportements pour lui permettre de mieux se positionner. Parce que forcément, si elle se met en retrait, l'autre va vouloir avancer. Ça va être un jeu de chaise musicale et elle va le provoquer, le comportement de l'autre, et justement ce comportement qu'elle ne veut pas. Et elle a dû aussi intégrer l'idée que, en fin de compte, c'est elle qui gardait ses repères en amour, que personne ne lui ferait faire ce qu'elle ne veut pas faire. Voilà, faire preuve un peu plus d'audace, d'y aller, et qu'en fin de compte, elle saurait toujours piloter. Donc voilà, elle a dû évoluer parce que, en fin de compte, comme je le dis, quand on se retrouve, je dirais, directement en contact, c'est différent que quand on fait de la théorie. Et une autre personne, bien sûr, elle, c'était un peu le contraire, toujours un peu trop gentille, toujours tendance à s'abaisser. Si ça se passe mal, c'est toujours de sa faute. Et forcément, quand on a tendance à s'abaisser, à laisser trop de terrain, ben l'autre va le prendre, et puis même on va devenir un peu moins intéressant parce que, en fin de compte, on n'a rien à dire, on est toujours en train de s'adapter à l'autre, et ça, c'est pas très stimulant pour le désir et la relation sentimentale. Mais ça, c'est vraiment en étant au contact, c'est ça ce que je veux vous dire, c'est vraiment au contact, reconstruire ses repères, c'est vraiment quand on est en contact avec les gens, vraiment dans la réalité, on sort un peu du bouquin, on sort un peu de la théorie. On est vraiment la tête dans le cambouis, comme on dit. Et là, on se reconstruit des repères et ça va très très vite parce qu'on apprend assez vite à dépasser en tout cas nos réactions les plus archaïques, les plus élémentaires, nos réactions de protection qui étaient peut-être bonnes à un moment, mais là qui ne sont plus du tout adaptées. Et on apprend cela. Alors vous aussi, si vous êtes une personne seule, si vous avez envie de retrouver l'amour, et c'est possible pour tout le monde, si vous avez envie de sortir de votre solitude, bien sûr, vous allez sortir une partie de vous qui ne veut pas et une autre qui veut. Mais on est souvent peu conscient de soi-même quand on est dans l'émotion. Et forcément, quand on est dans les rendez-vous, on est dans l'émotion et nos comportements ne sont pas toujours adaptés. Alors n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi en m'écrivant à l'adresse roncari.g, gmail.com, toutes les infos sur mon site, juste pour construire vos repères et vous permettre après de naviguer. C'est comme on réapprend le code de l'amour, je vais pas dire le code de la route, mais le code de l'amour pour se protéger. Et pour se donner la chance de vivre une relation authentique. Et ça, c'est possible pour tout le monde. C'est normal, à un moment, quand on a
eu des situations pas faciles, on a perdu ses repères. Dans ce monde où il y a Internet, où il y a des applications, où il y a pas mal de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent et qui sont capables de vous faire souffrir sans même s'en rendre compte, il faut faire attention, mais ne pas en même temps s'empêcher d'y aller, parce qu'il y a plein de gens qui sont vachement bien et qui peuvent vraiment, avec qui vous pouvez vivre une superbe histoire et quelque chose de merveilleux. Donc voilà, ne pas tout mettre tout le monde dans le même sac, je dirais. Il y a des gens, il faut s'en méfier, mais il y a plein de gens, et heureusement, sur lesquels on peut avoir totalement confiance et avec qui on peut construire une superbe histoire d'amour. Donc ne restez pas seul dans vos réactions archaïques. Sachez, c'est pas vous faire aider, c'est pas le bon mot aider, mais je veux dire, comme les bouddhistes, ben, ils ont des maîtres. Ne restez pas tout seul dans vos pensées parce qu'on perd conscience, mais donnez-vous les moyens, avec moi ou quelqu'un d'autre, en tout cas d'avoir plus conscience des choses, d'apprendre un nouveau comportement et vous verrez que ça ira mieux pour vous. Merci beaucoup, à bientôt et au revoir.